Camembert! Salut l'Inalover, c'est Lina TV. Alors oui, cette fois j'ai dû dire Camembert grâce à Mickey Wassan. Donc l'Inalover, je vous propose deux choses. Trois. La première, c'est qu'on va continuer le Shiny Trade Challenge. La deuxième, c'est tout simplement, toutes les deux vidéos, je vais dire un autre mot que salut! Donc du coup, à chaque fois, tous les deux, Shiny Trade Challenge, vous aurez l'autorisation de me demander de dire un mot plutôt spécial. La dernière fois, j'ai dit saucisse. Là, maintenant, je dis camembert. La prochaine fois, c'est à vous de voir. Je vous laisse proposer des idées dans les commentaires. Je pense que je vais me taper des barres. Et je pense que quand je vais dire ça, tout le monde va exploser de rire. Troisième chose, il va me falloir un Pokémon. N'importe lequel. Je m'en fous. N'importe quel Pokémon qui soit ajouté, que je n'ai pas encore dans la liste des Pokémon que j'échange normalement. Va falloir que vous m'en proposiez un, peu importe lequel, je m'en fous, mais du moment qu'il n'a pas encore été créé. Donc n'hésitez pas à me proposer ça sur Discord ou en MP, sur Discord en MP, ou tout simplement sur YouTube, voilà, ça dans l'espace commentaire. Je vais donc me munir de mon téléphone pour trouver un chiffre aléatoire, comme on fait d'habitude. Je vais pouvoir devoir. Ok, c'est parti. Attention, on va pouvoir faire ça. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'étais tombé sur Cradopo. Il y en avait que deux, j'étais déçu. On va pouvoir refaire attention. Numéro 502, vous mémorisez ça. On va chercher ça sur Internet et on se retrouve dans quelques instants. Mateloutre, le Pokémon 502, c'est donc bel et bien lui que nous allons chercher. Ça m'étonnerait qu'on en trouve beaucoup. Hein. J'aimerais vraiment qu'il y en ait pas mal. Surtout que Mateloutre, c'est quand même un bon Pokémon, j'avoue. C'est pas. En vrai, que le Miral, c'est pas vraiment un Pokémon un peu OSEF. Hein. Mais c'est. Bon, allez, allons-y. Si j'ai pas assez de Wi-Fi, je vais devoir me déplacer dans la salle, du coup. J'étais resté au Rancho Hana, évidemment. Attendez, je vais prendre mon stylet. Et c'est parti! Donc on va pouvoir se connecter à Internet et on va voir ce qui se passe. Au niveau, je suis vraiment content qu'on soit tombé sur Mateloutre, surtout s'il y en a plein. En vrai, Moustillon, je pense que c'est clair qu'il y en aura plein, mais Mateloutre, quoi, c'est pas Moustillon, c'est Mateloutre. Putain, je sens qu'on va pas en trouver beaucoup. Allez, on y croit les amis, que la lune à chance soit avec nous, comme d'habitude. S'il y en a pas, par contre, je pète un câble. Ok, allez, on va chercher Mateloutre tranquillou. Non, pas N. Mateloutre, Mateloutre. Ah, voilà, c'est bon, je te tiens. Mateloutre, c'est parti, attention, combien de Pokémon? Quoi? Je vais pas arrêter cette vidéo comme ça, hein, je peux pas. Hein. Va falloir que je trouve un autre Pokémon. Vous savez quoi, on va pas s'arrêter là, parce que à chaque fois j'arrête la vidéo, mais là j'ai fait une bonne intro, un bon truc. J'ai pas envie de tout me retaper. On va chercher un autre chiffre. Numéro 801, c'est fabuleux, donc c'est mort. Numéro 520, on n'arrête pas de tomber sur des 500 ou des 400. On va chercher ça et on se retrouve dans quelques instants. Oh non, celui-là, c'est clair que je le sens pas. Colombo, Colombo, c'est clair que lui, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Ça va faire au moins. Attends, Colombo, Colombo, Colombo. Allez, il y en a quand même au bout d'un moment. Colombo, Colombo. Voilà, Colombo. Allez. S'il vous plaît. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Il y en a que trois, mais vous vous foutez de ma gueule? Putain, c'est pas vrai. Mais putain, mais en plus, je peux. Non, non, on va refaire. Mais c'est pas vrai, ça va faire au moins trois fois que je fais ça, putain. Allez, on recherche encore un chiffre. Putain, 630, allez, 630, on va pas se faire chier. 630, 630, 630, allez, s'il vous plaît. Votutrice, allez, Votutrice, on peut le trouver dans le jeu. Donc on se calme. Votutrice, normalement, c'est pas. Si on trouve pas, je recommence cette vidéo. Oh! Et pourquoi vous demandez des Pokémon que. Ah non, ça va, ça va. Bon, bah, on va devoir faire que ça, les amis. Hein. Je suis désolé pour aujourd'hui. Allez, go les Mastocs. Donc, go les Mastocs. Hop, il est là. Mais je suis déçu, putain. Je suis déçu, mais je suis déçu. Putain. Je suis déçu, mais à mort. Bon, déjà, je vais trouver une photo de Votutrice pour faire ma miniature, en attendant. Bon, je vous laisse regarder ça. Votutrice. J'espère qu'on va trouver une bonne. Ce serait une bonne miniature, ça, par contre.
Par contre, prends pas 3 heures à charger, hein. Images. Voyons voir les images. Je crois que ça a planté. Il va falloir vite faire que j'aille autre part. Ouais. Je reviens. Ah non. Ça marche? Ça passe. C'est bon, j'ai eu peur. Donc. Oh, jolie miniature. Celle-là, ça fera une bonne miniature. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Oh putain, c'est moche. Oh putain, c'est moche celle-là. Putain, la pire miniature que tu peux faire. Regardez-moi ce vautitrice. Ce vautitrice de. Oh, putain. Je sais même plus de quel jeu 3DS de merde là. Ok, voyons voir. Est-ce qu'il n'y a pas. Oh, c'est trop classe ça. C'est trop classe. Alors, c'est un vautour. Mais il ressemble pas trop à vautitrice. Étant donné que celui-là a de grosses ailes. Et quand je dis de grosses ailes, j'abuse pas. Et il y a. Oh là 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 là. Je crois que je vais mettre ça en miniature, les amis. Attendez, attendez, attendez. Il y a des porte-clés vautitrices. Attendez, bon, je vais chercher d'autres vautitrices en attendant. Donc, feu forêt, flingouste, qui aurait mal, easy. Oh là là. Et franchement, vautitrice, c'est vraiment un Pokémon badass. Alors, qui aurait miné là? Voir s'il y en a pas en bas. Ah, vautitrice troll. Ok, voyons voir. Vautitrice, vautitrice, vautitrice en dessin, vautitrice turbo, vautitrice bizarre. Vautitrice en arrière-plan. Oh non, putain, c'est moche. Oh non. Oh, Téléfix, qu'est-ce qu'il fout là? What the fuck? Ok. Faisons comme si je n'ai rien vu. Vautitrice. Rubombelle. Ouais, bon, attendez. Je crois que je vais mettre ça en miniature. Attendez, faut que je retrouve la photo déjà. Est-ce que ça vous va en miniature? Parce que moi, regardez-moi ça. Regardez comme c'est badass. Genre là, on voit le Vautitrice, mais genre, comme je vous l'ai dit, il a des ailes immenses. On dirait c'est la fusion entre un guerrier et un Vautitrice. Bon, après, il y a le fameux vrai Vautitrice que j'ai vu. Attendez, faut que je retrouve. Le Vautitrice de l'animé. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. En vrai, c'est plus badass. Je vais mettre celui-là en miniature. Flingouste Necrozma. Alors, lui, je ne sais pas s'il veut le... Je vais lui donner le Lunala, hein, parce qu'on est tous Team Lunala. On va pouvoir mettre... Donc, le Lunala, il est là. Donc ça va, il est sur Ultraline maintenant, je le sais. Je vais tout de suite télécharger l'image, comme ça je la mettrai en miniature. Voilà. Donc comme ça fera une nouvelle miniature, ce sera vraiment super. Ok, voyons voir s'il y a d'autres. Ok, il y en a encore deux, du coup. Yveltal. Ah oh, bah, c'est le dernier, attends. Oh, génial. Et prendre le Yveltal, du coup. Et on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Hein. Et franchement, ça me déçoit, ça me déçoit. Ça me déçoit, ça me déçoit. Ça me déçoit de tomber sur des Pokémon qui ne sont presque quasi pas trouvables en GTS. Ça me saoule quand même un peu. Mateloutre, il y en avait zéro. Attends, il y avait Mateloutre, il y en avait zéro. Il y avait l'autre Pokémon. Ah, bah tiens, ils sont du même type. Type Volténèbre. C'est les seuls deux types Volténèbre. En fait, ça va faire badass. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez, regardez. Voilà, deux types Volténèbre là. Vous voyez pas la différence? Vous la voyez pas, c'est bien. Mais du coup. Oh putain, c'est mon prochain sujet de vidéo. Théorie, Vautitrice. Et s'est transformé en Yveltal par la télé. Parce que comme vous savez, j'avais fait une théorie sur Vivaldin, comme quoi que c'était devenu un Xerneas après. Pourquoi pas une théorie sur Vautitrice et Yveltal? Ah non, 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 non. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Et il est d'accord qu'il n'y en a plus, hein. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Franchement, ça me saoule. Je déteste. Excusez-moi, je ne matais absolument pas cette meuf. Donc je disais. Ça va faire quand même pas mal de Pokémon qu'on trouve pas beaucoup, quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépose un Pokémon? Oh, personne va le voir, mais je m'en fous, je le dépose. Donc, on est bien d'accord que c'était un Vautitrice qu'on était en train de chercher. On va déposer le Vautitrice. Attendez, faut d'abord que je le retrouve. Donc, Lunala Lover, si jamais il n'a pas été pris avant le début de la vidéo, de toute façon, j'en posterai des mignons. J'essaierai, je mettrai un maximum de Vautitrice. Attendez, faut d'abord que je retrouve le Vautitrice.
Votutrice. Où est-ce que je l'ai foutu? Je crois que j'ai plus de votutrice, hein. J'en ai pas créé de base. Ah, non, c'est bon, je l'ai vu. C'est bon. On va le placer, puis on va demander un... Quel Pokémon on pourrait demander? On va pas demander de votutrice, hein, parce que sinon c'est mort. On va demander... un Lunala, tiens. Voilà, je vais demander un Lunala, comme ça va vous donner l'envie. Je vais vous donner... Vous en faites pas, je vous le rends, le Lunala, je vous le rends. Je vous le rends. Voilà, j'ai demandé un Lunala, je vais... Ouais, je vais pas changer de sac, évidemment. Merci. Attends, je vais mettre... J'aimerais un Pokémon qui puisse mettre un super fort au combat. J'aimerais remplir mon Pokédex. J'aimerais avoir des Pokémon. Pokédex, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai élevé ce Pokémon avec tout mon cœur. Ce Pokémon vient tout juste d'éclore. J'ai entraîné ce Pokémon. Ce Pokémon a énormément de potentiel. Il n'y a pas la case. J'aime Lunala de tout mon cœur, je le veux. Il n'y a pas cette phrase-là. J'aimerais avoir un Pokémon qui puisse m'aider pendant mon aventure. Et puis voilà. Donc les Lunalovers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais poster le Pokémon. Je vais en poster des millions, vous en faites pas. Je ne m'arrêterai pas. Je m'arrêterai à 16h, à 17h. Vers 17h, j'arrêterai de mettre des votutrices en GTS. Puis voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour voir que je dépose à chaque fois des votutrices. À très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. J'espère que ça vous aura encore plu. Je vais déposer le Pokémon sur le champ. À très bientôt. Profitez bien de la vie. Je vous laisse avec la cinématique de dépôt du Pokémon. À très bientôt. Passez une bonne journée et un bon réveillon. À demain. Ciao les Lunalovers.